Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. On est sorti. Voilà, merci beaucoup. On en a marre des pleurs. Alors, je reviens sur les lives que j'ai suivis le week-end, surtout le live du père des jumelles Jean-Louis Messant. Voilà, j'aimerais te remercier parce que tu m'as calmé. Parce que tu es un père de famille. Et je pense qu'en observant, tu as vu ce qui se passe. Bon, à cause de toi, j'ai décidé de me calmer. Pas parce que l'Angala m'a gagné, parce qu'elle ne peut pas me gagner. J'ai voulu ouvrir les yeux même de mes détracteurs, des personnes qui me combattent. Aujourd'hui, je suis fière que ces gens-là ont compris. Ces gens-là ont compris et savent ce que je sais. Il y a toujours les voices, et les voices récentes, les voices envoyées par les parties d'en face, les voices qu'elle a envoyées par en face, qui tourne, qui se retrouve toujours sur moi. Et je voulais revenir encore un petit crochet sur cette histoire que je ne regrette absolument rien du tout. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait concernant Oloke Mumkna. Parce que, comme je vous ai dit, le camp adverse a compris déjà. Quand je parle de camp adverse, le camp qui l'encourageait, ils ont compris aujourd'hui que c'est le triangle. Parce qu'ils détiennent des voix que je détiens. Et on dit l'échec. Comment dire l'échec individuel et le désordre collectif et l'échec individuel. Un petit moustique comme ça, comme Oloke, ne peut pas faire un combat avec moi. Parce que c'est un combat perdu d'avance. Vous voyez un peu? C'est un combat perdu d'avance et comme vous le savez tous, et pour constater même que c'est le triangle, est-ce que vous voyez cette petite boum que là, Oloke sans abri, qui se lève? Qui dit haut et fort que la sérologie de sa mère, son combat, entre vous et moi, qui sabote, qui expose? C'est l'enfant qui expose sa mère, c'est clair. C'est cet enfant qui expose sa mère en disant sérologie de sa mère, son combat, du jamais vu. Et vous dites que Fleur de Lille a posté, j'ai même cru que j'ai posté les examens. Ce que j'entends là, boum, que non, pour qu'on l'aide, il faut qu'elle poste les examens sérologie de sa mère. Puisque c'est ce que c'est devenu son combat. Donc il faudrait qu'elle nous poste ça pour qu'on voie si j'ai vraiment exposé sa mère ou pas. Puisque j'ai mis les voix de sa mère et je n'ai aucun regret. Où elle déclare? Pour moi, elle déclare ça pour faire les gens. Maintenant, si sa fille a les preuves que elle nous poste un examen là. En disant sérologie de sa mère, son combat. Il faut qu'elle nous poste ça. Oui, on veut la preuve. Maintenant, il faut la preuve, parce que Mumkna veut vous escroquer, Mumkna veut escroquer. C'est les gens qui l'encourageaient, qui croyaient, ont discuté avec sa maman. Sa mère continue de bavarder, leur a livré des choses, eux-mêmes le corps glacé. Wanadonya, c'est d'où vous voyez le général de mon ex-copine faire une sortie, mais cette sortie devait être faite avant. Qui demande à Oloke de se calmer. Oh, ce que vous détenez, je détiens la même chose. Ce n'est pas encore mise. Mais je détiens ce que vous détenez, je détiens la même chose. Et quand on veut écouter les voix de Oloke Mumkna, de sa mère, un triangle pour escroquer les gens, on dit non. On n'utilise pas une sérologie pour arnaquer les gens. Je suis désolé. Le palud dépasse cette maladie. Le palud dans le sang, ça te terrasse. Donc, vous avez compris que les injures vis-à-vis de Fleur de Lille, ce que vous pouvez dire, ça me laisse à 37. J'ai dit que je suis une gringo, je suis une grillée. Mais ce que vous détenez, que je détiens, pour le moment, ça reste d'abord au chaud. Vous savez que pour terrasser Mumkna Oloke, est-ce qu'on va mettre tout le même jour? N'est-ce qu'on fait seulement au fur et à mesure? On va seulement doucement, doucement pour que ça pénètre. Quand Mumkna pense qu'il n'y a plus rien, la bombe vient encore sortir. Et c'est ce qui... Et qu'est-ce qu'il parle? C'est la radio. C'est la radio cassette qui parle. Vous comprenez? On n'a piraté aucun compte de qui que ce soit. Nous, on n'en a rien à cirer.
Vous voyez? Maintenant, le challenge que je donne à Boum Kenaoloke, poste la sérologie de ta mère. Puisque c'est ta mère, elle a parlé. On veut savoir si c'est vrai. Comme ça, quand tu postes ça, maintenant tu mets le lien de ton PayPal. Donc, aujourd'hui, nous voulons la preuve. Oui, entre-temps aussi, tu peux aussi faire le test. Toi-même, tu peux aussi aller faire un test. Tu te filmes en direct, tu fais un test, on te pique. Après, tu viens nous mettre ça. Donc, voilà quoi, c'est John, non, tu nous fais ça. Au moins, si tu entretiens ton blog avec ça, tu attires les abonnés, tu gagnes les abonnés. Il faut te laver, être propre. Parce que les gens qui regardent les réseaux, regarde la Lyon. Quand elle fait le direct, elle est quand même propre. Elle ne fait pas au moins, elle est propre. Quand elle parle, même elle a bien mis le gloss sur ses lèvres. Il y a même les gars qui viennent comme ça, on n'écoute pas ce que tu dis. Mais on regarde seulement même le visa, ma, pour faire les directs, dit que blogueuse là. C'est un investissement, maman. Il faut investir d'abord dans la propreté. Que quand tu t'assois, tu parles. Rien que la façon que tu fais, ça tire les gens à te regarder. Sinon, tu fais dans le noir. Au moins, quand les gens écoutent, ils ne voient pas ce qui parle. Ou tu te mets dans le noir. Boumkena. Lance les directs. Si ça ne va pas, va sur YouTube. Travaille les dos, il y a quoi? Tu sais que il y a les gens qui regardent. Quand tu te mets comme ça, ils regardent. La reine est en train de parler. La reine me parle, la reine est propre. Elle est propre. Elle a mis le rouge à lèvres, elle a les gros nibas qu'elle a couvert. Quand tu parles avec le ventre torsadé. Oh, bref. Parlons de ma yam sœur Lolo. La yam sœur Lolo. Pour le moment, je ne fais pas encore de sortie parce que Lolo, j'ai discuté avec elle. Elle a son passeport avec elle. On ne lui a retiré aucun passeport. Vous savez, si Lolo est convoquée, elle va aller répondre à sa convocation. Non? Est-ce qu'il y a quoi à faire le tapage? Est-ce qu'en faire le tapage sur les réseaux, ça change quoi? Moi-même, j'ai été convoquée, j'ai répondu à ma convocation. Est-ce que répondre à une convocation, ça veut dire quoi? Tu réponds à la... Moi, quand j'avais été interpellée au Cameroun, j'avais répondu à ma convocation. Et c'est ce jour-là, quand je suis allée volontairement, on ne m'a jamais arrêté. Je suis allée répondre à ma convocation. On a décidé de me garder. Pas me garder comme enfermée quelque part. J'étais assise sur le banc. Et ça, c'est déjà une garde à vue. Alors, si Lolo est une... Lolo est responsable de ce qu'elle fait. Ce n'est pas une enfant. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait où elle va. Alors, je vais dire à ma yam sœur, elle va répondre à sa convocation. Elle a ses preuves. Et c'est comme ça. Pourquoi on va faire les sorties et bavader? Même si elle va en garde à vue, un jour, deux jours, elle va sortir. Moi, j'ai été en garde à vue. Les gens m'ont filmé, posté. Ça a changé quoi ma vie? Si on n'est convoqué pas, on répond à sa convocation. Et maintenant, s'il y a un souci là-bas, elle a son téléphone avec elle, elle va lancer le live. Et on va commencer à faire les lives. Pour le moment, comment voulez-vous que on fasse, on commence à faire les lives sur le prétexte des ondits? Pourquoi? Les autorités camerounaises, quand tu es confronté aux autorités, on ne lance pas le challenge aux autorités. Moi, en tant que Sayamsa, je lui ai dit, si tu as une convocation, depuis qu'on parlait, elle n'avait aucune convocation, elle venait de recevoir la convocation. Et elle va reconfondre à sa convocation. Je vois les gens faire les sorties pour raconter des choses. Qui est sainte là sur Facebook? Nous tous, on a insulté les gens. Oui. Qui ne clash pas? Donc, quand vous clashez là, ce n'est pas salir le Cameroun. Arrêtez un peu de mélanger les noms du Cameroun dans les clashs. Quand vous clashez, c'est parce que vous clashez. Pour ce qui concerne Stella et Lolo, ça les regarde là-bas à deux. Elles ont fait leur clash comme j'ai été en clash avec Lolo. Donc, ça les regarde. On ne mélangeons pas le clash que Stella a eu. Son désaccord avec Lolo et le commerce d'une personne qui est venue pleurer qu'on l'a arnaqué. Ça, c'est mélanger deux choses. Ce n'est pas ces deux dossiers différents. Son clash qu'elle a avec Lolo, le clash de Stella et Lolo ne concerne pas les gélules. C'est deux choses différentes. Il y a le clash qui a part. Il y a une dame qui a dit qu'on l'a arnaqué. Alors, la dame a dit que Lolo l'a escroqué. Si elle a porté plainte, Lolo va répondre. Lolo nous dit qu'elle a ses preuves. Elle va répondre, elle va expliquer, c'est tout. Pourquoi voulez-vous qu'on mélange tout? Quand on sort le matin, c'est pour avoir un gagne-pain. Quand on se met aussi à promouvoir les produits des gens, c'est parce qu'on a besoin d'être payé. Dans les histoires des farces du quartier, là, on n'en a rien à foutre des farces du quartier. Chaque personne répond à ses responsabilités. Oui. Donc, la première dame du Cameroun n'envoie pas les gens s'engueuler sur Facebook.
Il n'y a personne qui est plus propre que l'autre. Mais une fois que tu prends ta caméra, tu déposes. Si on entre dans les archives, nous tous nous sommes sales. Si on veut parler de salir le Cameroun, nous tous nous avons sali le Cameroun. Voilà. Et ce pays qui est le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Voilà, ça nous appartient, nous tous. Donc, pour le moment, j'ai dit à Lolo de faire ce qu'elle allait faire au Cameroun. De faire ce qu'elle allait faire. C'est-à-dire de s'occuper de ce qu'elle est partie faire au Cameroun. Maintenant, c'est voir qu'elle veut faire les directs, elle fait ses directs pour faire vivre ses fans et tout. Mais faire les directs pour justifier le Congo, ça, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien, ça peut être temporaire. L'énergie là, c'est l'énergie en train d'imprimer ces documents, d'imprimer les autres documents pour les preuves. Les ministres, les présidents, on les a mis dans les gardes à vue. Fais la cellule ne veut rien dire. Moi-même, j'en ai fait. Et beaucoup aussi ont fait la cellule et la prison, tout ça. Quand tu fais la garde à vue, tu sors de là fort. Tu sors de là en sachant ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Mes chers fans, on ne s'assoit pas derrière les réseaux. Vous savez, il y a ce qu'on appelle s'asseoir derrière les réseaux et encourager et la vie réelle. Vous savez, quand vous partez au commissariat avec quelqu'un, les surnoms ne comptent pas. Les surnoms, si tu appelais quelqu'un, par exemple, si tu dis que si quelqu'un, par exemple, ben moi, Mamim Boma, faut que Mamim Boma, c'est pas mon nom. Donc je peux pas aller porter plainte à quelqu'un en disant que elle a dit que Mamim Boma. C'est comme ça. Donc les gens ont les surnoms. Donc, ce que je vais dire, c'est que si Lolo a interpellé qu'elle a un problème, je serai la première à faire le tapage. Parce que je sais que je suis suivie, je suis écoutée. Je serai la première à faire le tapage, à bavarder. Pour le moins, je ne bavarde pas parce qu'il n'y a rien. Et je dis à quiconque, à qui ça énerve, que si ma paix avec Lolo vous donne, peut vous donner l'occasion aussi d'être ensemble comme vous avez toujours été, c'est une très bonne chose. Ça ne chauffe pas. Est-ce que je demande la vie à quelqu'un pour... Est-ce que j'ai demandé la vie à quelqu'un pour être en paix avec Lolo? Est-ce que... Je ne comprends pas. C'est ma Yamseur, association des Yamseurs. Et ça ne choque pas. Chacun peut créer sa part d'association des Yamseurs. Où est le problème? On ne vous empêche pas d'aller créer même sans... Ce qui est sur Yamseur égale Yamseur, Yamseur du monde, tout. C'est quoi le problème? Qui nourrit qui ici en Europe? Qui paye les factures de qui? Nous tous on s'assoit là, les étoiles, hein. Nous tous on parle là, on demande les étoiles, on quémande, hein. Tous les milliardaires de Facebook qui parlent là, quémande, hein. Je vois, envoyez les étoiles, envoyez les étoiles, oui, envoyez les étoiles, encouragez, on dit la vérité. Moi, faut ne mange jamais. Chacun qui prend sa caméra, invente, dites-vous que c'est la vérité. La seule personne qui ne mange jamais, c'est ma faux. La seule personne qui ne mange jamais, c'est la ma faux. Ma faux ne mange jamais. Oui, la personne qui a trop mal, ma faux ne ment jamais. On traite les gens de tout et de rien. Si on va entrer dans les vies des gens, vous allez fermer la bouche, crier, c'est comme ça. Vous savez que quand on est assis sur Facebook, chacun peut rendre sa vie un rêve. Chacun peut rendre de sa vie un rêve, alors que dans la réalité, ce n'est pas ce qu'on vit. Facebook, vous voyez, c'est les réseaux sociaux. Chacun peut prendre et parler ce qu'il veut. Nous tous, on insulte les gens. Lolo, elle a ses clashs avec ses gens. Les problèmes des clashs de Lolo, ça n'engage que elle. Ses combats des clashs avec ses gens, avec qui elle encaisse. Chacun prend responsabilité de ce qu'il fait. Moi, je suis plus intéressée par l'affaire des gélules, de voir jusqu'à où ça va aller, de voir le fond. Le reste là, c'est pas intéressant. Ma faut ne mange jamais. Le reste là, c'est une actualité qu'on doit suivre de près. Je ne vends pas le rêve. C'est l'actualité qu'on doit suivre de très près, l'affaire des gélules. Parce que c'est une affaire qui est... C'est une affaire de commerce. Oui. On n'en a rien à foutre. La première dame du Cameroun est la première dame de toutes les Camerounaises. Nous tous. Si je voulais entrer dans ces choses-là, qu'on dit que quand tu arrives au Cameroun, viens aussi. C'est parce que je n'ai jamais voulu me mélanger à ces choses-là. Que quand tu arrives, tu commences à aller traîner, à quémander. On m'a déjà invité beaucoup, mais
Je n'ai pas voulu aller parce que il y a les affichages que j'évite de faire. Parce que je pense d'abord aussi à ma vie d'abord. Je pense à ma vie, hein, à mes relations. C'est moi qui suis ici en Europe. C'est moi qui porte le risque de sortir, arriver en miracle quelque part. Donc si moi, par exemple, je ne fais pas certaines choses, c'est un choix. C'est pas parce que je ne suis pas invitée, hein. Attention. C'est pas parce que je ne suis pas invité ou bien parce qu'on ne m'appelle pas pour me proposer. Oui, ma faut quand tu arrives au Cameroun, tu peux venir dormir ici, genre, tu peux faire comme ça, aller manger, monter, descendre, genre. Je ne fais pas seulement le tapage. Oui, je ne fais pas seulement le tapage. Je peux me filmer avec les personnalités juste là. Mais ce n'est pas intéressant. Mais me filmer avec les personnalités postées veut dire que c'est l'intimidation de dire que j'ai les relations. Quand on a les relations, on ne bavarde pas. Les relations, ce n'est pas un truc qu'on vient taper trop qu'on a des relations. Donc, vous comptez sur les relations du Cameroun. Et les personnes qui vous promettent les choses seulement pour la nias, que quand tu arrives là, tu écartes, on te nias, et on te promet que... Et quand tu as les problèmes, on te dit que, mais, va aussi répondre peut-être à ta convocation. Non, va d'abord et après, on va voir. Entre-temps, tu as déjà écarté. Les gens, on se fait utiliser. On se fait utiliser. Les gens promettent, ils ont la bonne parole. Vous croyez que moi qui suis assise là, je ne connais pas qui. Mais on n'expose pas les personnalités qu'on connaît sous prétexte d'influencer les gens, non? Moi, c'est en solo. J'ai dit qu'on n'expose pas les personnalités qu'on connaît. Marie-Paul Paul, non. Elle peut vous dire, on s'est croisé quelque part, dans un dîner privé, avec l'ambassadeur de France au Cameroun. On s'est croisé dans un dîner privé avec les ministres. Donc, c'était un cadre vraiment privé. J'avais croisé Marie-Paul Paul là-bas. Elle m'a vu, elle a eu. Elle a dit que merde, l'ambassadeur était assise comme ça, le porte-parole du gouvernement, ses enfants. Ça va, France. Mais je pouvais me lever. J'ai fait les photos avec les enfants qui étaient avec eux. Ma foi, les gens faisaient les photos. Mais tu sais, quand je suis devant les personnalités comme ça, maman, j'ai honte. J'ai honte de ce que fait sur Facebook, mon frère. D'accord, c'est pas fraude. Il y avait les banques, il y avait. Le propriétaire d'Afrique, là, il fait le propriétaire, celui qui a sa main. Un monsieur simple. Vous connaissez comment les gens qui ont l'argent sont même. Ils ne parlent même pas. Les ministres, là, étaient là. On discutait comme ça, là. Et tout, l'ambassadeur de France, ça va, Florence? Tu vas bien, tu fais quoi, Cameroun? J'ai parlé et tout. Ah oui, j'ai appris ton histoire et tout. Mais tes gens, là, les abeilles, là, ils dérangent, hein. J'ai appris ton histoire. Mais je ne comprends pas. Vous pensez qu'il faut forcément se filmer et dire qu'on a les relations? C'est pas parce que j'ai mangé avec les ministres que j'ai leur carte. Que j'ai les relations, qu'elle va aller chercher les problèmes parce que j'ai dîné avec les ministres, parce que dans un vol, j'ai rencontré tel. Je l'ai rencontré les ministres même dans le métro à Paris. Dans le métro, parce que vous êtes tellement villageois, vous croyez que prendre le métro, c'est la pauvreté. Pour aller sur les champs, on n'a pas besoin souvent de la voiture parce qu'on va arriver là-bas et marcher. Il y a des endroits que pour aller, on n'a pas besoin de prendre la voiture en France. Oui. Et quand on connaît les personnalités, on n'a pas besoin de dire que oui, on connaît les personnalités, c'est monté, c'est descendu. Moi, quand je suis devant les personnalités, j'ai honte. C'est pour ça que j'ai voulu changer ma façon de faire. J'ai honte. Quand tu assises au Hilton, la dernière fois que je suis au Hilton, combien de jours? Tu ne vois pas qui? Tu arrives au Hilton comme ça, là, tu vas au bar en haut, tout le monde, ah là, mais ça va, ma faut, je suis la timide, on appelle mon nom, même. Ça m'énerve jusqu'à. Parce qu'on appelle mon nom, je suis en train de manger moi les bonnes choses et de boire le champagne. Fleur de lit, maman, j'avais honte. Et les gens se retrouvaient, elle est où? Maman, j'avais honte. Vraiment, je suis très timide. Hein. J'ai dit, pardon, n'appelez pas mon nom. Il y a des années, quand j'arrive, je dis, pardon, n'appelez pas mon nom. Et j'ai pas envie de me lever. Parce que les gens se mal l'idée que c'est pas elle qui parle beaucoup sur Facebook là. Et ça fait honte. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit que non, maman, pardon, je ne veux plus ça. Quand je parle là, les ministres regardent. Vous croyez que quoi? Les gens du gouvernement regardent. Ça les amuse. Quoi, elle parle à la longueur de journée comme ça. Ouais, la petite. Ouais, la mafola, la reine des abeilles et tout. Mais vous croyez que elle dit que je connais tel ministre? Ou bien je connais tel. Vous connaissez les gens avec qui j'ai déjà parlé? Ce n'est pas qu'on a dit que les gens avec qui j'ai déjà parlé. Hein? Donc, arrêtons un peu d'intimider sur prétexte qu'on connaît tel, on connaît tel. Nous tous, on peut faire les photos. J'ai fait les photos avec Sarkozy, alors qu'on ne le connaît pas. Je l'ai croisé, j'ai croisé le Nicolas Sarkozy un jour, il avait pris son train, il est descendu à Lille. On s'est vu à la gare, il fait, j'ai fait la photo. Après, on a posté ça dans le journal. Est-ce que ça vous dit, je vais couper ces gardés et commencer à dire que je connais Sarkozy, maman.
Je vais commencer à dire que je connais trop Nicolas Sarkozy. Non, j'ai été connu beaucoup par l'ambassade de France parce que j'ai eu un souci au Cameroun. Donc, le pédocé, les gens ont regardé. Et maintenant, ça a permis que ces personnes continuent de me suivre. Et que quand j'arrive au Cameroun, je signale toujours que je suis arrivée. Parfois, tu n'as même pas besoin de signaler. Parce qu'une fois que tu prends l'avion là, et qu'on prend l'avion, la liste est là. On a des gens, on sait déjà que tu arrives tel jour. Même quand tu as acheté un billet d'avion, que tu pars dans un pays, on sait déjà que dans tel vol, il y a tel. C'est comme la liste que vous prenez les cars avec eux. Quand vous arrivez à l'agence du car, on demande le nom, on vous demande la pièce d'identité, vous dites que vous n'avez pas, mais c'est pour votre bien qu'on demande la pièce d'identité. C'est pour que quand il y a un truc, on sait déjà que dans le car, il y avait tel nombre de personnes, il y avait tel. C'est comme ça. Donc, franchement, l'affaire de Clarisse, on suit ton affaire de près. Ne mélange pas ton affaire avec les clashs. Parce qu'en mélangeant ton affaire et les clashs, peut-être tu allais gagner, mais tu vas perdre parce que le clash est mélangé déjà. Il faut dissocier ton affaire et tout. Les relations ne s'affichent pas. Que les gens arrêtent, les vraies relations n'affichent pas. Les gens ne postent pas les personnalités sur les réseaux sociaux. On ne poste pas. Quand je suis arrivée au Cameroun, vous connaissez chez les qui je suis allée manger, maman. Oh, ma fou. Maman, je suis allée chopper quelque part, maman. Il dit que les domestiques de bout partout, les cuisiniers avaient le chapeau plein. Voilà, la reine, même, on donne seulement les serviettes chaudes que nettoyer, vous faites ça. Maman et le champagne de ça. Après, on se lève, on part là-bas, on mange, on essuie la bouche. Et les ceci, dès que tu fais ça, il y a quelqu'un qui dit que madame, hé, maman. Et c'est ça, tu n'es que soutien total. Lolo n'est pas malade, maman. Arrêtez souvent de casser, parce que quand vous dites souvent les choses, hein, je vais vous dire un truc. Lolo va très bien. Dit que soutien, c'est comme si c'était une faiblesse, comme si elle était faible, comme si elle était malade, et qu'on dise que soutien. Non, n'écris plus que soutien tout à Lolo. L'autre là, ce n'est pas ça. Oui, ma Yamsa, non. Elle est en train de vivre, quelqu'un est en train de boire ses champagnes. Elle sort quand elle veut, elle ne se cache pas. Comment tu vas dire soutien total à quelqu'un qui fait son joker? Elle n'a pas de problème, elle n'est pas malade, elle n'a pas le palu. Quand elle aura les problèmes, vous saurez, on ne va pas cacher. On ne cachera pas. Si elle a un souci, on ne cachera pas. C'est une blogueuse, non? On ne cachera pas. Donc laissez un peu les petits congos des WhatsApp, là, les petits commérages du sous-quartier. Ça, c'est le sous-quartier. Ça, c'est le petit, ce sont les commérages du sous-quartier. Quand tu es convoqué, hein? Quand on est convoqué, tu viens, tu t'expliques. Elle va aller, elle va s'expliquer. Elle ne fuit pas. Si quelqu'un, si on vous a informé que ma yam soeur est en train de fuir, c'est faux. Au Cameroun, non. Quel que soit le numéro que tu as, si on veut t'interpeller, tu es même quelque part dedans. Tu n'as pas un pays comme le Cameroun. Quand tu es en garde à vue, tu vois comment les gens arrivent tous les jours. Et les gens qui viennent avec les habits du chantier, oh, tu entends quelqu'un, on a volé le ciment, c'est à toi qu'on a vendu, non, on t'a vu. Donc, Lolo ne peut pas fuir. Lolo ne peut pas fuir. Parce qu'elle sait qu'elle ne doit rien. Elle sait qu'elle ne doit rien. Mais attends, moi je comprends pas. Si Lolo était recherchée, quand quelqu'un est recherché, la personne, c'est son, le Cameroun, c'est son pays. Et même si elle était recherchée, elle n'est pas au Cameroun, c'est pas quelqu'un, elle aime son pays. Vous aimez quand les gens restent ici, après vous dites qu'on fuit la preuve. Elle est au Cameroun et elle vit sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Trop de bavardage à trop parler sur les réseaux là, ça ne change rien. Quand on va l'interpeller, même si on l'interpelle que vous filmez avec les menottes, vous venez poster. Ça va nous permettre maintenant de travailler avec ça. Vous savez, ce que vous souhaitez, parfois, ce que vous souhaitez que ce soit notre malheur, ça devient notre avantage. Ça devient notre avantage. Quand on veut vraiment faire, non, on reste tranquille. On fait seulement le bim. Si Lolo doit quelque chose, elle va se justifier là-bas. Porter plainte n'est pas synonyme de gagner. Tu peux porter plainte, tu arrives là-bas. La personne finit de parler. Les policiers du Cameroun, ils disent que toi aussi, porte plainte à la personne. Vous connaissez bien les policiers là. Quand tu n'as pas, ils disent que donc c'est comme ça. Tu parles en montant et puis eux-mêmes, ils te conseillent que mais porte aussi plainte. Porte plainte à la personne. Le Cameroun a changé. Le Cameroun n'est plus le Cameroun que tu appelles, tu téléphones, qu'on intimide là. Les élections arrivent. Et je vous dis,
Les gens qui ont les postes clés, que ce soit les procureurs, ceux qui ont beaucoup d'étoiles, là, certains commissaires, ils ne veulent plus leur nom dans la saleté. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Il y a les gens qu'on a envoyés dans les villages lointains à cause des choses de Facebook. Donc, il n'y a personne qui veut salir son image maintenant. Alors, vous voyez là, les autorités, non, quand il y a un problème, ils veulent les preuves. Les gens ne veulent plus. Les gens ne veulent plus mélanger leur nom. On ne veut plus les gens. Le trafic d'influence. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Quelqu'un te fait niaque, tu ouvres seulement le téléphone, tu lances le direct. Tu comprends, non, ma yam sœur? Et il y a un souci. Tu prends un pot, tu as ton téléphone, ne pars pas seul. Tu lances le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Dès qu'il y a fait seulement niaque, tu lances le live. Les gens l'ont peur des directs. Les gens. Les autorités, non. Ils n'aiment pas. Pardon. Les autorités n'aiment pas les choses des réseaux sociaux. Là, pas quoi. Ça part plus vite que quoi. Quand il y a. Pardon. Je ne veux pas être là-bas. Je ne veux. Non. Ne me mettez pas là-bas. Oui. Bon. Sur ce, je vous embrasse. Beaucoup de courage à ma yam sœur. Fais ta vie. Amuse-toi bien. Tu es une grande personne. Tu sais ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Donc, fais juste attention au propos, à ce que tu peux. Sois sage pour manipuler la parole. Sois intelligente. Donc, sois intelligente. Sois sage. Les gens veulent te pousser à bout pour que tu viennes. Non, ne tombe pas dans le piège. Quand tu mets ton truc, salut tes lolomania, tu montes là où tu es, me voici, soit tu es dans la cribi, comme tu as fait l'autre jour, je m'en vais à Baganté, m'en vais au village, hein. Tu fais tes trucs comme ça, ne gère pas. Parce qu'en fait, quand tu gères, ces gens-là pensent qu'ils sont tellement importants et que tu as trop peur. Oui, et que tu as énormément peur. Ne les donne pas. C'est la légende qui a nommé. C'est la légende. Qui le dit. Soit c'est le sens. Cool. Condamne. Non, ne gaspille pas ton énergie. Ton énergie sera pour justifier, pour imprimer tes choses. Au contraire, ce que tu devais faire. Bon, quand je vais parler comme ça, vous avez dit qu'appelle pour donner les conseils. Mais on discute quoi. Parce que vous avez transformé la parole. Au contraire, quand cette dame-là qui a parlé, là, que tu es arrivé, tu as fui, tu devais plutôt aller sur le live, là, tu filmes ça. Tu gardes. Tu ne réponds pas à ça. Tu viens, tu filmes ça. Tu gardes. À ta convocation, tu dis que voici là, voici sur Facebook. Mais c'est quand les gens vont sur Facebook, ils disent que non, ils ne sont pas là-bas. Tu filmes seulement ce qu'elle a dit. C'est bien elle qui est en train de parler, qu'on te cherche. Les autorités, c'est bon. Tu filmes, on voit bien la date. Tu pars dans le direct qu'elle a fait. Tu prends ça, tu filmes comme ça. Tu gardes. Affaire Gélu, c'est elle. Ne confonds pas les deux. Tu as l'affaire Gélu. Et l'affaire de l'autre ici en France. Donc je ne mélange pas les deux parce qu'on va te faire mélanger les deux. Or, ces deux affaires. Là, on parle d'une affaire de Gélu et non une affaire que tu avais insulté. Non. Donc, continue à être condamné. Continue à être posé. Continue à être à faire comme tu fais là. Ne te justifie pas qu'on avait fait que. Filme seulement la partie. Là, parce qu'il y aura confrontation. Ne pensez pas que c'est comme ça. Il y a souvent les confrontations. On te confronte à la personne qui dit que tu as porté plainte. Puisque les policiers sont comment? Quand tu arrives, tu pars, tu finis de parler. Maintenant, on arrive aux questions. Vous êtes allé sur Facebook tel jour, vous avez dit que telle chose. Voilà, Mayam, tu sors seulement. Tu dis que voilà le direct qu'elle a fait. Je suis arrivé au Cameroun tel jour. Elle a fait un direct tel jour. Donc, tout ce qui se passe, son problème, ce n'est même pas d'avoir de l'argent. Elle ne me réclame rien. Mais c'est juste, elle veut me salir sur les réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux, c'est pour faire quoi? C'est pour dénoncer et salir. C'est pour dénoncer et salir. Je suis arrivée au Cameroun. Elle trouve que je suis en train de fuir. Pourquoi faire un live alors qu'elle doit courir, aller voir les autorités, la police pour dire que cette dame est déjà là? Pourquoi venir faire le live? Pourquoi? Pourquoi cette personne fait un live? Cette personne fait un live dans le but de salir et non de réclamer quoi que ce soit. Oui, parce que si je porte plainte, je constate qu'une personne arrive au Cameroun il y a un jour.
Je ne vais plus appeler les autorités là où j'ai porté plainte. Je ne vais plus rentrer là-bas pour dire, mais voyez, elle est déjà dans, elle est déjà sur la place. Je ne vais pas venir faire un direct en même. Les gens de Facebook, ce sont les qui? Tu ne vas pas faire un direct pour justifier qu'elle a fui, elle a entré par le chat. Ça s'appelle le sabotage. Elle a entré par à pied, elle a bossé tout ça. C'est sali, ça. C'est sali, quelqu'un qui a pris Air France, qui n'entre pas au Cameroun légalement. Le but de faire un direct, dire qu'elle a fui, c'est quoi? C'est parce que c'est dans le but de salir et de rabaisser la personne. Ce n'est pas un but de réclamer quoi que ce soit. Quand vous faites des choses, réfléchissez. Parce que Madame Clarisse, quand je te vois, tu es quand même quelqu'un qui a fait l'école, tu t'exprimes très bien. Je ne vois pas comment tu peux être en train de réclamer autant d'argent. Tu vois la personne qui fait un direct, tu dis qu'elle nague. Mais elle est libre de faire ses directs. Oui, je suis même voici bien au Cameroun. Et alors? Donc, elle, quelqu'un ne va plus faire ses directs, s'amuser, sortir. Parce que si elle s'amuse, ça veut dire qu'elle nague les gens. Mais vous entendez parler. Donc, vos pays, c'est pourquoi? C'est pour s'amuser. C'est pour s'amuser. Est-ce que vos pays, parce qu'elle a le droit de s'amuser, de faire même sans direct si elle veut? Hein? Comment se fait-il que quelqu'un est au Cameroun, tu as porté plainte, avec les avis de recherche et tout ce qu'ils vont avec. Tu as pris les avocats. Va chez ton avocat. Va dire sur ton avocat. Parce que tu payes pour ça. Elle est au Cameroun. La preuve, voilà un live. Elle est à tel endroit. Elle a fait même hier. Voilà ses numéros de téléphone. Ce n'est pas que elle est en train de narguer. Elle est libre de s'amuser où elle veut, quand elle veut. Lolo, continue à t'amuser. Si c'est nargué, continue donc à narguer. C'est vous qui interprétez. Donc, quelqu'un, elle n'a pas ses fans. Elle a le droit de s'amuser. Elle a le droit de sourire. Donc vous voulez qu'elle arrive au Cameroun, elle se cache. Pourquoi vous dites qu'elle se cache? Elle se cache pourquoi? C'est son pays. S'il y a des trucs à répondre, elle va répondre. Il faut arrêter un peu de faire plaisir aux gens qui nous regardent. 1500 qui regardent, ce n'est pas 1500 euros. 1500 personnes qui regardent, ce n'est pas 1500 personnes de ceux qui m'aiment. C'est 1500 personnes de curieux. Des travailleurs sans salaire, de ceux qui veulent écouter, d'autres sont en train de manger. Moi, là, je suis en train de parler, là, je dois aller, je dois sortir. Hein? Arrêtons un peu. Donc, les gens ne vont plus s'amuser parce qu'ils narguent les gens. Oh, Mayam, sœur, continue à t'amuser. Amuse-toi bien. Amuse-toi. Il ne faut même pas que, parce que tu t'amuses, les gens vont t'appeler. Oui, arrête de faire les directs parce que les autres sont, les qui? Les autres sont les qui? Donc, quelqu'un va souffrir en bain. Souffrir, ce qu'a économisé, payer son billet d'avion, d'arriver à parler, boire ses Guinness, monter, descendre, parce que si elle s'amuse, oh, il faut te cacher. Elle ne fait pas qu'on sache. Elle ne fait pas qu'on sache quoi? Est-ce qu'on entre au Cameroun en cachette? Quand tu as payé un billet d'avion, est-ce qu'on entre dans ce pays en cachette? Quand elle n'est pas entrée avec ses papiers. Vraiment, si vous pouvez savoir que dans tous les pays du monde, on ne fonctionne plus avec le carolo de quelqu'un. Il n'y a que ceux qui vivent au Cameroun, ceux qui ne sont pas renseignés pour parler de ces choses-là. C'est triste, hein? C'est vraiment triste de voir des personnes réfléchir, de voir les intellectuels s'asseoir et raconter des bobards. Dire que quelqu'un à Boza est entré par avec le passeport de quelqu'un, c'est un sabotage, c'est sali. C'est dans le direct. C'est dans le live. Mon but, c'est de parler à Clarisse, que ce qu'elle a fait, son premier live qu'elle a fait, ça la cloue très mal. On entre pour Camo avec les papiers, on ne prend pas le papier de quelqu'un. Le nom de Lolo, c'est son vrai nom. Vous connaissez son vrai nom. Son vrai nom, c'est le nom que vous avez porté plainte avec. Comment elle va entrer au Camo en cachette? Comment elle va se cacher? Moi, je ne comprends pas. Avec tous les appareils, il y a des. Vous voulez dire que les autorités ne savent pas faire leur travail? J'entends que négociation au Cameroun. Maintenant, si tu peux même négocier un policier, il ne prend pas, il a peur. Surtout les entrées du Cameroun comme les aéroports. Aucun policier ne peut accepter une négociation. Parce que tu peux tenter de le filmer, il perd son travail. 200 000 vaut quoi? Sur le travail de quelqu'un qui travaille à l'aéroport. Et aujourd'hui, au Cameroun, c'est les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis d'école, qui sont dans les aéroports. Vous pensez que les intellectuels, les gens qui vont. Vous croyez que quelqu'un va mettre son travail en péril parce qu'on lui a tendu, on a négocié. Vous pensez que pour négocier à l'aéroport, c'est 200 000? Au Cameroun, on ne négocie pas. Au Cameroun, il n'y a pas de corruption dans les aéroports. Les policiers n'acceptent pas d'argent pour quoi que ce soit. Oui, n'acceptent pas l'argent pour quoi que ce soit. La dernière fois, je suis arrivée au Cameroun et je suis allée saluer le commissaire et tout, parce que c'est les jeunes commissaires. Ah, ma foi, comment tu vas? Je suis allée là-bas saluer le commissaire et tout. Et le commissaire à l'aéroport, devant son bureau, c'est des jeunes.
Il y avait les gens assis, non, ceux qui veulent voyager, on les arrête là. Et ceux qu'on a rapatriés, ils étaient tous là. Quand ils sont arrivés comme c'est parti dans le bureau du commissaire pour le saluer et parler avec lui, maman, c'est comment, non, c'est comment? Et tout, il dit, ah, je suis là, je vais bien. C'est moi qui ai demandé que tu viennes ici au bureau. Et tout, parce qu'on a su que tu es là, je sais que tu viens nous saluer. Maman, pour arriver dans le bureau là. Il y a la sécurité jusqu'à les cartes par carte. On met seulement la carte, tu traverses, on met la carte, tu traverses jusqu'à là-bas. Donc, au Cameroun, non, il n'y a plus la corruption. Ce qu'on vous raconte là. La prochaine fois, mon patron au Cameroun, il faut que je garde même les parfums, même que. Oh, il faut que je garde même les parfums. Parce qu'il faut encourager. Vraiment, merci aux autorités pour le bon travail qu'ils font. Merci aux autorités, on vous remercie. Continuez comme ça. Vraiment, merci beaucoup, les autorités. N'acceptez plus. Les gens en Bengla, maintenant, quand ils ont les problèmes, ils vivent en Europe, ils viennent porter plainte à ceux qui vivent au Cameroun. Ce n'est pas bon. Deux personnes qui vivent en Europe doivent gérer ça en Bengla. Maintenant, une personne qui est au Cameroun peut aller porter plainte parce que la personne n'est pas au Cameroun. Et tout. C'est comme ça. Et quand tu arrives, tu réponds. Merci aux autorités camerounaises. Sur ce, je vous embrasse. Gros bisous. Je vous embrasse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.